Pour bien réussir votre projet d'élevage, il est important de contrôler tous les paramètres phares de votre élevage. Tous les paramètres phares. Alors dans cette vidéo, je vous donne trois facteurs ou alors trois astuces qui sont incontournables dans l'élevage et qui est primordial pour pouvoir réussir tout type d'élevage. Moi, c'est Sim Alex Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture et d'agro-business. Nous vous parlons de la vente. Nous vous donnons des astuces deux fois par semaine pour vous permettre de mieux réussir votre élevage et par là, de pouvoir améliorer grandement votre rentabilité. Alors, les trois éléments que je vais vous partager dans cette vidéo sont connus de tous ou alors connus par la plupart des éleveurs, mais qui ont tendance à simplifier cela ou alors à minimiser cela. Pourtant, ce sont des facteurs vraiment clés pour votre réussite ou alors la réussite de votre projet. Ce sont des facteurs basiques, mais très, très importants. Très, très importants. Donc, peut-être la troisième astuce, ce serait peut-être une astuce que vous ne connaissez pas ou alors que vous avez toujours tendance à négliger, mais que je vais vous partager et vous donner vraiment les précisions dessus afin que ça puisse vraiment vous tirer une sonnette d'alarme et que par ailleurs, vous ne puissiez plus minimiser cette astuce-là pour pouvoir alors mieux réussir votre projet. Premier facteur pour bien réussir votre projet d'élevage, c'est le bâtiment. Dans tout type d'élevage, le bâtiment est le facteur le plus important, ou alors parmi les facteurs les plus importants pour bien réussir votre projet. Pour construire votre bâtiment, il faudrait le construire dans les normes, que les espaces ou alors que les espaces disposés pour vos animaux soient assez suffisants. Et optimiser en même temps. Donc, si vous faites peut-être vos loges et que vous les optimisez pas, vous allez perdre en espace et perdre plus pendant la construction, ou alors dépenser plus pendant la construction, ou alors récupérer l'investissement de la construction sera un peu difficile. Donc, il faudrait toujours être prêt à optimiser sur le bâtiment, donc optimiser l'espace, optimiser sur le matériel de travail et essayer de faire tout et tout pour pouvoir vraiment valoriser votre bâtiment au plus grand maximum. Parce que lorsque vous faites un projet d'élevage, souvent vous échouez sur le bâtiment. Et ce bâtiment implique beaucoup de choses. Ça peut augmenter les taux de diarrhée dans la ferme qui va toujours vous pousser à d'autres dépenses. Ça peut augmenter le taux de mortalité parce qu'il y a une difficulté d'aération. Donc, ça peut augmenter le taux d'écrasement peut-être. Si c'est peut-être chez les porcs, ça peut augmenter le taux d'écrasement. Peut-être l'espace pour la tuer est un peu réduit. Et ça pousse la tuer à écraser ses petits. Donc, si vous ne parvenez pas à bien concevoir vos bâtiments, vous allez vraiment beaucoup perdre. Vous aurez déjà échoué votre projet dès le départ. C'est très important de vraiment maîtriser chaque norme de construction dans chaque type d'élevage précis pour pouvoir mieux améliorer votre rendement ou alors augmenter votre rendement. Comme deuxième facteur aussi très important lorsque vous voulez réussir vraiment votre projet, c'est la prophylaxie ou alors le suivi de vos animaux. Donc c'est très important de mettre un plan de suivi. Les dates de croisement, les dates d'admission de médicaments, les différents jours de mise bas, l'âge de vos animaux. Donc, un système de suivi et de prophylaxie est très, très important pour pouvoir réussir vraiment votre projet. Ne rien laisser au hasard. Faire les pesées régulièrement. Donc, ça vous permet déjà de savoir que oui,
cette femelle, elle a peut-être fait tel nombre d'années dans la ferme, elle a produit tel nombre de mises bas, elle a eu telle portée généralement, elle a tel nombre de portées. Là, ça vous permet que même quand la portée baisse, vous êtes réellement conscient que la portée a baissé et que par ailleurs, il doit avoir un problème. Ça vous permet déjà d'étudier, même de prévenir déjà même les problèmes. Il faut peser les femelles, peser les lapéros. Si c'est les porcs, il faut peser les porcelets. Il faut peser. Bon, pour la femelle, généralement, c'est difficile de la peser, mais pour les porcelets, il faut les peser. Il faut regarder si la femelle consomme son aliment de façon croissante, ou alors stagnante, ou alors de façon réduite, en réduisant. Donc, ça vous permet déjà de savoir, parce que chez les porcs, pour bien savoir si vos porcs évoluent ou pas, c'est en pesant l'aliment. Si au fur et à mesure que le temps passe, le porc est sur une quantité d'aliments constante, c'est qu'il y a un problème. Donc au fur et à mesure que les années passent, même si c'est un an, après un an, deux ans, après deux ans, trois ans, chaque année l'aliment doit augmenter. L'aliment doit augmenter. Donc c'est ça qui va permettre, que vos porcs évoluent sur le poids corporel, qu'ils grandissent réellement. Donc si vous ne le faites pas ainsi, si vous ne faites pas vraiment un très bon suivi de façon minimisée, optimisée, les résultats que vous aurez à la fin risquent d'être des résultats que vous ne maîtrisez pas. Les résultats qui vont vous surprendre. Parce que vous-même, vous ne contrôlez rien. Vous-même, vous ne contrôlez rien. Vous-même, vous êtes surpris par presque toutes les choses qui vous arrivent. Donc, pour vraiment réussir votre projet, il est très important. Très important de marquer les dates, de faire des pesées régulières, parce que c'est ça qui est votre, je peux dire ça comment, on ne peut quantifier quelque chose, on ne peut contrôler quelque chose qu'on ne mesure pas, on ne peut vraiment contrôler quelque chose qu'on ne mesure pas, parce que c'est quand vous mesurez constamment que ça vous donne une ligne à suivre, ça vous donne un canevas, vous savez que bon, aujourd'hui j'ai eu tel résultat, demain j'aurai par exemple tel résultat, et au fur et à mesure, vous savez que je suis dans telle direction, ça évolue comme ça. C'est par là que vous saurez que oui, effectivement, il y a progression ou alors il y a rétrécissement. Donc, c'est un peu ça la famille. Comme troisième facteur, c'est l'un des facteurs, c'est aussi l'un des facteurs vraiment les plus importants. C'est vraiment l'un des facteurs aussi vraiment les plus importants. C'est l'alimentation. Je ne vous dirai pas vraiment plus que d'habitude, parce que d'habitude, hier, je vous parle de ça. L'alimentation est l'un des points clés d'un élevage. Quand vous réussissez l'alimentation, je peux vous assurer que l'élevage est assuré. Parce qu'une meilleure alimentation réduit les risques de maladie, ou alors réduit le taux de maladie dans la ferme. Améliore votre reproduction, améliore votre rendement. Donc, l'alimentation, comme vous le voyez, c'est vraiment un facteur phare de votre production. Quand vous ne réussissez pas avec l'alimentation, vous avez vraiment tout échoué. C'est un indicateur de, je peux dire quoi, l'alimentation est un indicateur de votre performance, toute faite. C'est un indicateur de votre performance. Quand vous n'êtes pas capable de faire une meilleure alimentation à vos animaux, vous aurez vraiment toujours des échecs. Vous aurez toujours des échecs. Donc si vous réussissez tout et au niveau de l'alimentation, vous échouez, vous aurez vraiment des échecs. Donc faites tout pour faire une alimentation qui va répondre aux besoins de vos animaux, que ce soit croissance, que ce soit engraissement, que ce soit gestation, que ce soit mise bas, que ce soit allaitement. Faites tout et tout pour que l'aliment réponde réellement aux besoins de l'animal. Faites tout et tout, parce que c'est là où il y a vraiment toute l'optimisation de votre ferme. C'est là où il y a vraiment la rentabilité. Parce que l'alimentation constitue pratiquement, dans la majorité des élevages, l'alimentation constitue pratiquement 70 à 80%. Imaginez-vous un peu. 70 à 80%. Lorsque vous parvenez à optimiser votre alimentation, vous pourriez avoir les alimentations de 50% de votre production. 50%. Donc, c'est un peu ça. Alors la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Je compte sur vous pour faire grandir la communauté et par là, mieux vous donner encore des astuces. À plus la famille.